Bonjour chers spectateurs, ce match se développe dynamiquement. Ceci est démontré non seulement par le travail accompli des employés de l'entreprise effectué à huis clos mais toujours couvert par nos vidéos, mais aussi par le travail avec un large public. Il s'agit surtout d'un travail complet sur la formation de nouveaux marchés. Des réunions sont organisées avec des représentants d'entreprises, des réseaux de distributeurs sont formés, les citoyens de différents pays en apprennent davantage sur la société et ses futurs produits. À noter qu'il y a également déjà ceux qui souhaitent s'engager dans la production de moteurs électriques. Dans ce contexte, la société Sevelmash a récemment été visitée par des délégations d'investisseurs et de partenaires de plusieurs pays. Et samedi 16 septembre, la conférence internationale sur la groupe s'est tenue à Moscou sur l'un des 5 sites de la ZES Technopolis Moscou, notamment à Pechatniki. La conférence a fait le bilan de ses activités de l'année écoulée. Le projet se développe, la société Sevelmash ne reste pas immobile et nos ingénieurs se préparent au lancement de la production en série de produits de notre propre développement. N'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux officiels de Sevelmash pour être au courant de l'actualité du projet. À bientôt !